Vous voyez, sans couteau, tombe au sol. Super, les gars. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Allez, on tombe. Allez. Le maître mot de l'association, c'est retisser le lien qui a été perdu entre la police et les jeunes. En fait, c'est comme tout le monde. Exactement. Oui, parce que j'ai tout comme si je me prenais sans vous. Non, on est comme tout le monde, on fait un travail comme tout le monde. Ça fait plaisir parce qu'on a une autre approche avec eux et ça se passe très bien, on n'est pas dans le conflit. Ça va? Allez, nickel. Le dispositif Prox Aventure est un dispositif un peu particulier qu'on a créé il y a 6 ans qui consiste à accueillir les jeunes sur une base, comme ici aujourd'hui à Grigny, avec des activités sportives multiples, par exemple le rugby ou le foot, ou l'escalade, mais également le secourisme, qui est un atelier aussi où on apprend à aider, à soutenir, à sauver l'autre. La seule chose que je vais faire, c'est vérifier qu'il respire toujours en mettant ma main ici au milieu de moi. Ok ? Vous avez tout compris ? Et en deuxième point, quelque chose de très important qui est un petit peu notre fer de lance, je dirais, de l'association et du dispositif, c'est expliquer pourquoi on intervient, pourquoi on met une paire de menottes et pourquoi on interpelle un jeune lorsque celui-ci a commis un délit, tout simplement. Et là, il ne faut pas me laisser sur le ventre. Et maintenant, on prend tout ça. Les gars, il ne faut pas me laisser sur le ventre. Super. Et après, je m'ai interpellé. On va leur montrer qu'en fait, tous les policiers, en fait, il ne faut pas qu'ils en aient peur. On n'est pas là pour leur faire peur. Il ne faut pas qu'à chaque fois qu'ils nous voient, ils courent. Parce que ça ne sert à rien, en fait. On est juste là pour les protéger, justement. Pour les aider. Et qu'en gros, s'ils ont besoin de nous, on est là pour eux, quoi. S'ils ont besoin de renseignements, on est là aussi. Moi, je suis policière. J'ai toujours voulu l'être. C'est vraiment une passion. J'aimerais changer les mentalités, montrer qu'on est des personnes comme tout le monde, qu'on peut rigoler avec les jeunes, que ça peut très bien se passer. Souvent, on nous demande, en fait, mais vous êtes vraiment policier? Mais vous êtes vraiment, vraiment policier? Et souvent, je suis obligé de sortir ma carte, en fait. Si tu veux, j'ai même ma carte là. Et souvent, je sors ma carte, je dis, mais je suis vraiment policier, en fait. Je travaille sur Paris. On pose des congés pour venir participer au Prox en tant que bénévole. On va jusqu'au plot, vas-y. 3 droites, 1, 2, 3, go. Cours. Allez, jusqu'au plot. Ouais. Après plusieurs années en police secours, ça fait du bien de changer un peu, de se diversifier dans le métier de la police et d'aller au plus au contact de la population. Ça permet aussi, dans notre travail, d'être peut-être sur certains points plus proche de la population qu'on l'était avant. Parler de notre métier, parler de leurs incompréhensions sur certaines des choses qu'ils ont peut-être entendues dans les médias. Pourquoi est-ce qu'un policier va effectuer un contrôle? Pourquoi un policier va menotter? Toutes ces choses que nous devons faire en tant que policier. Tu sais pas ce qu'il a sur lui. S'il est armé, comme je te disais, avec un couteau, c'est fini, ça sert à rien, tu es tout seul, faut pas prendre de risques, mais tu peux prévenir, et c'est le plus important de prévenir. L'idée m'est venue de créer Red Aventure Organisation il y a 30 ans parce que j'avais déjà appréhendé, je dirais, les problématiques de relations des jeunes avec la police. Il y a 30 ans, c'était les phénomènes d'émeutes où les policiers étaient confrontés à des groupes de jeunes. Effectivement, il y avait une nécessité impérieuse de travailler dans cette direction, faire de la prévention, mener la prévention. Le policier n'est pas l'homme providentiel pour faire que de la prévention, mais je crois qu'il fait partie intégrante de ce travail essentiel que nous devons faire en termes de prévention.